à ton rythme, quand tu vas être prêt, je t'invite à t'installer confortablement. On va partir ensemble pour un voyage. Un voyage à l'intérieur de toi, en toi. Un voyage qui va te permettre de te centrer, de te recentrer. De te découvrir, peut-être même encore de te redécouvrir. Quand tu te sentiras prêt, prends une bonne grande inspiration. Et à l'expiration, laisse aller. Laisse aller la pression, les tensions dans ton corps. Laisse aller les tracas, les doutes, peut-être même le brouillard. À l'inspiration, viens remplir tous tes poumons, ton ventre, tout ton corps, comme si tu donnais la nouvelle énergie à chacune de tes cellules, consciemment. Et à l'expiration, tu permets à tes cellules de se nettoyer, de vidanger. L'inspiration, c'est la nourriture. À l'expiration, c'est le nettoyage. Laisse aller. Inspire profondément. Inspire. Expire. Continue consciemment pour 2-3 bonnes hautes respiration nourrissante, ressourçante, énergisante. Permets-toi de relâcher les muscles dans ton corps, les épaules, le cou, la nuque, les hanches,
même les muscles du visage. Laisse ton corps se détendre, se reposer. Permets-toi d'être stable, tranquille. L'intérieur de toi, tu as tout pour connaître le véritable bonheur, l'abondance véritable, la plénitude, la grâce. Mais seulement, il faut apprendre à cultiver ce qui est en toi. À mettre un stop au schéma habituel qu'a répété mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis, la société. Mais commencer à regarder à l'intérieur de moi. Là où tout est complet. Là où je ne cours pas après mon bonheur. Après le manque. Après la survie. Cet endroit à l'intérieur de toi, où est-ce qu'il n'y a aucune carence possible? Où est-ce que c'est la fontaine de jouvence, tout simplement? Mais sais-tu l'activer, cette fontaine de jouvence? Sais-tu lui permettre de jaillir? Lui permettre de t'offrir ce sourire dans le visage, ces étoiles dans les yeux, cette position d'accueil, d'ouvrir les bras à la vie. Te permets-tu d'ouvrir les bras à la vie? Crois-tu véritablement en toi? Crois-tu en moi? Crois-tu en la vie? C'est pas un hasard. L'endroit où tu te trouves en ce moment. Tu es là pour apprendre à te connaître. Apprendre à me reconnaître. À travers la vie qui passe en toi. À reconnaître qu'à chaque fois que tu me demandes, je suis là.
qu'à chaque fois que tu ouvres les bras, je les remplis. Qu'à chaque fois que tu te permets de mourir, je te permets de revivre. À chaque fois que tu as un besoin et tu m'exprimes ce besoin, je viens le remplir. Peut-être que tu pensais que tu faisais tout ça toute seule. Peut-être que tu ne vois même plus la magie dans la vie. Peut-être que ta personnalité, ton ego et tes blessures ont pris le dessus. Ta déception, ta rage, ta colère. Dépose ces armes. Calme ton esprit. Demande de l'aide. Car à chaque fois que tu demandes et que tu tournes ton regard vers l'intérieur, t'es entendu. T'es entendu. Changer qui tu es. Tu es déjà complète, complet. De ne pas devenir une autre personne. Tu es parfaite, parfait, tel quel. Tu es la plus belle de mes créations. Je crois en toi comme je crois en moi. Et ton rôle à toi, c'est de me permettre de t'aider. Ton rôle à toi, c'est d'être à l'écoute de la vie. Ton rôle à toi, c'est d'apprendre à cultiver la vie, cette magie que je t'ai offerte. Et pour ça, tu dois apprendre à cultiver ton esprit, mourir dans tes peurs, dans tes opinions, dans tes perceptions. Et si tu as difficulté à mourir dans tes peurs, c'est OK. Demande-moi de l'aide, du courage, de la force. Demande-moi de te guider. Tout ce que tu vas me demander, tu vas l'obtenir. Mais demande-le-moi à l'intérieur de toi. Avec humilité, avec vulnérabilité. Personne ne te doit quoi que ce soit. Personne. Personne n'est là pour te sauver. Arrête de chercher à être sauvé. Active ta magie. Rappelle-toi. Tu es la plus belle merveille du monde.
qu'est-ce que tu veux vraiment? Apprends à me demander clairement. À calmer ton esprit. Afin de m'entendre quand je te réponds. Entendre tes émotions, tes sensations, ou les différentes formes de messages que je t'adresse. Apprends à calmer ton esprit pour te syntoniser à la vie. Arrête de te battre. La vie, c'est pas un combat. La vie, c'est un jeu. Ton jeu. Éveille-toi à ton pouvoir de création, de manifestation. Prends ta responsabilité sur tes pensées. Sur le discours qui tourne dans ta tête constamment, qui te fait broyer du noir, qui t'emmène dans ton doute, qui te fait perdre confiance, ou encore pire, qui te fait perdre la foi en qui tu es, en la vie. Réveille-toi un peu, secoue-toi un peu. Je t'ai créé parfait, parfaite. Ta job à toi, c'est de t'en rappeler. C'est OK de te perdre. Je suis là à chaque fois. Comme un berger qui ramène ses brebis. Parce que je crois en toi. Parce que t'es la plus belle merveille du monde. Rappelle-toi qui tu es. Tu es le plus beau miracle du monde. Un miracle qui fabrique des miracles. Tu peux te sortir de toutes les illusions que tu peux t'imaginer. Peu importe le challenge que tu fais en ce moment. Peu importe les défis financiers, amoureux, avec tes enfants, avec tes parents, ou encore avec ton travail, ou même avec ta santé. Tout ce que tu as créé, tu as le potentiel de le guérir et de le transformer. À une vitesse beaucoup plus grande que tu peux t'imaginer. À l'équivalent de ta foi. Cultive ta foi. C'est la foi qui active les miracles. Cultive ton amour pour toi, ton amour pour la vie. Cultive ta douceur pour l'âme que tu es, pour la personnalité qui se libère de ses souffrances, de ses chaînes, de ses voiles, de ses filtres. Énormément de compassion pour toi. Énormément d'amour
et de bienveillance pour toi. C'est l'amour qui va te guérir. C'est l'amour qui va enlever le brouillard de ta tête, qui va te permettre de changer ce discours intérieur. C'est l'amour qui va faire que tu vas attirer à toi des bonnes pensées, que tu vas choisir les bonnes paroles, que tu vas te permettre de passer à l'action, même si tu as peur. Parce que tu vas savoir que je suis là avec toi, que je t'accompagne. La vie, c'est ton allié, c'est ton ami. Elle est là pour te permettre de grandir vers la nouvelle version de toi-même. Comme la chenille qui devient un papillon. Arrête de résister à la chenille. Permets au papillon de déployer ses ailes avec la douceur, avec l'amour et de la bienveillance. Lève ta tête. Mets un sourire dans ton visage. Ouais. Remplis tes poumons de cet air si pur qui permet à ton cœur de vibrer, de magnétiser ta volonté, ton intention. Utilise ton pouvoir de visualisation consciemment. Ne regarde pas ce que tu ne veux plus, mais regarde ce que tu veux maintenant. Ouvre les bras. Dis oui à la vie. Demande-moi de l'aide. Je suis là pour t'aider. Pour t'aider à te guérir, à te rappeler, à te libérer. La vie, c'est la guérison. À chaque jour que tu avances, tu es en train de te guérir. C'est juste que parfois, tu vois pas clair. Parce que tu as des schémas de te battre contre la vie. De te battre pour faire ta place. De te battre pour tirer ton épingle du jeu, le jeu que tu as créé. Ici, tu n'avais plus besoin de te battre. Ici, tu changeais tout simplement de fréquence. Et tu t'élevais à ta véritable nature. Ici, tu venais jouer dans ce monde où est-ce que tout est déjà là. Dans ce monde où ceux et celles qui se rendent compte qu'ils sont complets, parfaits, en évolution, et si tu te permettais d'honorer ta divinité, de cultiver la vie, d'être un sage cultivateur qui s'amuse avec l'expression de la vie,
la vie en lui et en elle, la vie en les autres, la vie en tout. Si tu arrivais à voir l'expression de l'amour dans tout, que tout conspire à te ramener à ta reconnexion, même les phases où est-ce que tu sembles être comme la chenille, que tu ne vois pas clair, elles sont essentielles. Elles te permettent de venir puiser à l'intérieur de toi davantage de foi, de cultiver ta foi. La vie est un acte de foi. Au-delà d'une simple croyance, au-delà d'une conviction, la foi est ce lien qui nous unit, qui permet une cristallisation de ta pensée, une manifestation de ta pensée. Apprends à la cultiver même dans les moments les plus sombres. Tu peux pas te tromper. Essaie-le. Joue le jeu. Tu verras ce qui va se passer. La foi apaise ton esprit. La foi te permettra de m'entendre, parfois de me laisser faire un bout de chemin pour toi. La foi te permettra de co-créer avec moi. Quand tu te sens perdu, je suis là. Quand tu te sens seul, je suis là. Quand tu te sens découragé, je suis là. Quand tu te sens saturé, dépourvu, épuisé, je suis là. Tourne ton regard vers l'intérieur. Viens déposer tous tes tracas. Je vais t'aider à te libérer, à te purifier. Beaucoup plus vite que tu peux le penser. Mais tu es le seul, la seule, à pouvoir tourner ton regard vers l'intérieur. Je ne peux pas le faire pour toi.
développes ta capacité de ressentir, de me ressentir, dans ta joie de vivre, dans ton sourire, dans chacune de tes actions, dans un vent, le soleil, dans une fleur, dans le cri d'un enfant, dans une musique, dans les paroles. Je suis là. Apprends à me reconnaître. À honorer la vie. À être en gratitude pour tout ce que tu as. À mettre un sourire dans ton visage. À ramener les étoiles dans tes yeux. À partager au monde entier la puissance de ton amour. T'es la plus belle merveille du monde. Il ne te manque rien. Fais la paix avec ton passé. Avec les drôles d'actions que tu peux avoir faites ou pas faites. Fais la paix avec ton corps, avec ton esprit. Resynchronise-toi avec la vie. Avec moi, avec ta véritable nature. Et la vie va devenir de plus en plus simple, légère. Développe cette capacité de prendre de la hauteur, afin de ne pas mordre à tes croyances qui te limitent, à tes souffrances qui te poussent à réagir impulsivement. Prends de la hauteur un peu. Tourne ton regard vers l'intérieur. Rappelle-toi qui tu es. Ne sois pas esclave de ton esprit, de tes pensées. Sois le maître à bord. Le maître qui met son attention sur ce qui est important. Qui laisse couler l'énergie là où elle se doit. Qui sait ramener son attention qui commence à se perdre. Qui sait agir avec douceur, compassion pour lui et pour les autres. Et qui sait que l'amour est toujours la réponse. Que l'amour est dans tout. Sois le maître de ta vie.